Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Heureux de vous retrouver et heureux d'être à l'INTEC, au congrès de l'INTEC à Angers pour 2 jours. Avec moi, Monsieur Paul Andrier, bonjour. Bonjour. Je vais être chargé prescription Grand Ouest chez Piftebois. Et donc avec vous, on va parler de Piftebois, d'un produit Piftebois CLT et puis de la marque Bois de France. Piftebois, rapidement. Tout d'abord, merci de m'accueillir sur votre plateau. Donc Piftebois, donc entreprise française, scieur, basée en Vendée, qui a fêté ses 70 ans donc en 2018. Donc on est fabricant donc de produits de structurels dédiés au marché de la construction, l'aménagement extérieur également. Donc nous développons principalement donc des technologies exclusives comme la MOOD, donc dédiées sur les produits structurels comme le lamellé collé, le CLT, le BMA, bois massif à voûter, bois massif reconstitué également. Et donc nous avons développé ces technologies et la dernière innovation. C'est l'exapli. C'est l'exapli, voilà. Parlez-nous de l'exapli. Juste une petite précision, donc nous travaillons essentiellement sur des essences résineuses, donc le pin, le Douglas et l'épicéa, donc des essences présentes sur le territoire Sur le français. territoire français, on y Voilà. reviendra tout à l'heure. Sur l'exapli, c'est un CLT. Qu'est-ce qui fait sa particularité? Alors déjà le CLT, qu'est-ce que c'est? Donc cross laminated timber, donc c'est pour du panneau de bois massif collé croisé à usage structurel, donc sur des éléments de mur, de plancher. Et récemment, nous avons eu donc la validation du CSDP concernant la révision de notre avis technique pour une utilisation en support de couverture et en support d'étanchéité de nos panneaux. Voilà, donc aujourd'hui, on va dire qu'avec les applis, on peut faire absolument tout clos et couvert, sans difficulté et avec un avis technique pour les assureurs. Tout à fait. Et nous avons également, donc en termes de limitation de hauteur, nous pouvons aller jusqu'à 50 mètres de haut. Nous avons réalisé récemment donc la tour Hyperion à Bordeaux. Un Donc projet toit. voilà, donc on peut faire tout avec le CLT, y compris de l'immeuble de grande hauteur et tout avec de l'exapli, évidemment. Voilà, alors le marché principal sur le CLT, ça va être sur le logement, la maison individuelle. Ça va également sur. Les établissements, donc l'immobilier d'entreprise, où il y a un marché qui est très conséquent, notamment donc oui sur les bureaux. Sur les bureaux. Alors, il y a une cellule d'accompagnement, si mes souvenirs sont bons, parce que en fait, ce n'est pas un produit catalogue de CLT. Comment ça se passe? En quoi consiste cette cellule d'accompagnement? Et c'est important ici, avec les économistes de la construction, de leur expliquer de quoi il s'agit. Alors. C'est vrai que le CLT, ce n'est pas un produit catalogue. C'est un produit, on peut dire, sur mesure. C'est pour ça qu'on a développé une cellule donc, qui s'appelle le Projet Bois, qui est dédiée à l'accompagnement justement des projets, notamment sur la logistique, sur la livraison à date et heure convenue avec le client. Voilà, c'est une cellule d'accompagnement vraiment pilotée sur le taillage, la préfabrication. Voilà, c'est ça. On accompagne la maîtrise d'œuvre de bout en bout du projet. Tout à fait. Bois de France, qu'est-ce que c'est? Alors, Piftebois, en fait, s'inscrit dans le développement de la filière de bois locale française. C'est pour ça qu'on a décidé donc de souscrire à cette marque Bois de France, qui revalorise un petit peu la souveraineté forestière française pour remettre au cœur donc une essence ou des essences très présentes sur notre territoire, valoriser cette matière. Et ça veut dire quoi, bois de France? C'est-à-dire que ce sont des bois utilisés, donc issus de forêts françaises, transformés, assemblés en France pour les produits. C'est une marque, hein. C'est une marque. L'idée, c'est vraiment de s'intéresser à nos ressources locales et de relocaliser nos activités. C'est quelque chose qui est à la mode en ce moment. Tout à fait. Merci d'être venu nous parler de Piftebois, donc, et d'Exapli, puis de cette marque Bois de France dans laquelle vous vous inscrivez. Une émission à retrouver sur notre site internet Bâti Journal TV, excusez-moi, à force de ne plus parler de Bâti Journal TV, on n'a plus l'habitude, et sur le site de nos partenaires. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir.